Allez les gars, c'est parti! Solo YOLO! Qui sera le gagnant? Déjà, ça va spawn où? Bling, il a spawn instant en dessous. Ouais, c'est un bon choix de sauter direct. Ah oh! Ouais, c'est un bon choix de sauter direct. Attends, il veut prendre la voiture instant. Aïe aïe aïe, ça va se finir au nord de. Ça va se finir au nord, frérot. Ah là, c'est une zone qui finit au nord, hein, mon pote. Hein. Ah là là, ça va jouer ça là. Ça sera du coup de l'open field, hein, pas beaucoup de bâtiments là. Hein. À part si c'est du military. Sky il a pas encore drop, Rose non plus, Spartan il a drop, il va aller. Il reste 30 personnes pour la fin de map, ça va, c'est correct. J'aime beaucoup le choix de Sky moi. Il a fait quoi Sky? Train station. Oh risqué, trop risqué, c'est ça malade. Casper il fait downtown et Obo il fait train. Ouais Ok. Ils ont fait des trucs complètement différents. Casper il se fait shoot dans les airs, il spawn downtown avec le camion. Je suis sur Husker là, il a pas d'armes, il est pas bien. Ouais. En tout cas, moi j'ai du retard. Ouais. Moi j'ai la POV sur Twitch Rivals 2. Les chemiches. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah, du coup, ils sont sur lui. Logique. Là, je vais remettre tout bien. Paf. Ok. Tu te remets en condition? DJ qui, du coup, fait les bunkers military avec son véhicule Jeep en retard. Mm-hmm. Ouais. Il y a une voiture pas loin de lui. Le Husker qui est armé. Les plaques. Pouah, la chatte. La chatte. Il est bien. Le M2 légendaire, ouais. Obo, il fait un drapeau sur le train. Ouais, alors je sais pas s'il va faire tous les drapeaux, parce qu'il peut très bien faire toute la map en drapeau. Hein. S'il décide de faire ça, ça pourrait être pas mal, honnêtement. Je pense pas qu'il puisse le faire, frérot. Je vais pas te mentir, faire un drapeau, c'est risqué. Au max, il peut en faire 3 s'il est très très fort. Mais t'as besoin de 4. Voire 5, donc impossible pour moi. Après, d'un autre côté, ce qui est bien avec le drapeau, tu sais, c'est la Rocco, elle s'affiche derrière, tu vois, elle suit pas le train, donc les gens. Ah non, il. Ok, bah il a lâché direct. Oh là là, ce prédateur. Il va jeter le pays. C'est un prédateur, Husker. Il va baiser le mec qui va aller acheter son loadout. Il s'est positionné pour baiser ce mec-là. Hein. Alors, j'ai la première zone sur le stream de Hobo. Franchement, ça va être un carnage. Hein. Il y a une toute petite partie de la zone qui est sur la map et l'autre, c'est full out of map. Et c'est sur du salt mine. Oh là 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 là, Aidan. Oh là là, Bifle. Il a tué Aidan, il a attendu qu'Aidan prenne ses armes pour le buter. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là là! Oh là 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 là! Soit game mort, apparemment c'est fini! Oh là 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 là! Et donne le goulag! Oh, il s'est autopara! Il a gagné! Oh là 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 là! Je sais pas. C'est pas marqué. Oh, je suis choqué, gros. Aidan qui avait ses armes. L'autre, il y a Bifle qui a attendu qu'il a baisé à ce moment-là. Oh là là, CJ. Allez, Bling. Mais mec, il a 1337 subs. Le signe des cheaters. C'est possible. Au beau bouclier, les gars. Ah, il est pas bien là. Ah, ben là, t'es pas bien, frérot. Hein. Là, t'es vraiment pas bien dans ces goulags. Hein. Allez, pas un gros joueur. Regarde comment il est bien positionné. Le mec là. Celui qui me fait penser à Bob Marley. Gros, regarde comment est-ce qu'il est trop bien positionné. Mec. Attends. Obo qui est down. Allez, let's go. Il est contre Shotzi. Oh non. Il a para. Yes, go! Voilà, non, mais SK, t'as de l'avance! Ah non, j'ai de l'avance? Ouais, une seconde. Obo qui gagne le goulag! Il a gagné, bien joué. Obo qui a gagné le goulag aussi? Également, ouais. Ah, Obo était au goulag? Ok. Ah, ouais. Ok. Il s'est affronté. Ça aurait été trop drôle. Hein.
Enfin, Spartan, il fait, ouais. Il me fait la même chose que moi, gros. Frérot, ça rota dans absolument tous les sens. Oh, putain, Obo, il doit atterrir, il se chie dessus, Pichoun. Ah, ben, CJ, pareil. Y a Casper, il est en camion, il est bien. T'as Proz qui temporise avec une arme. Ah, oh, il est dans la merde, Proz. Proz, je pense qu'il est mort. Il a une plaque. Oh, t'as Spartan qui se positionne au bon endroit. T'as vu Spartan, rien de nombre de mecs qu'il y avait autour de lui là. Je sais pas si t'as vu, je sais, mais. Il y avait des voitures partout. Mais c'est là que ça va se finir, il a raison. Il a raison, c'est ce qu'il faut faire. Il y a déjà 3 camions. Enfin, là où c'est pas ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit s'éloigner de cette zone le temps que son colis tombe. Une fois que son colis tombe, là il va dessus. C'est la règle. Mec, Sky vient de tuer Noobs. Ah ouais. Oh, Sky Rose, la légende. Picnic, il a 3 kills. Sky vient de tuer Noobs dans le plus grand des calmes, gros. Parce qu'il était un des top killers. Il est sur le train. Tu penses qu'il fait les drapeaux, Sky? Quoi? Non, je pense pas. Non, il les fait pas. Non, juste il est sur le train, il se sert du train pour faire sa rotation. C'est très malin. Regarde-le, il est malin. Malin comme un lynx. Malin comme un lynx, comme on dit. Oh là là, c'est terminé pour lui. C'est terminé. Et c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Hein. C'est dur. Terminé pour qui? Pour Sky? Non, pour un mec sur qui on était. Ah. Y'a Tipeee qui est en train de temporiser. Oh, Ling, il va mourir. Qui ça? Ling. C'est qui Ling? Ling CJ. Ah. Oh, il est parti. Et tu sais que là, c'est vraiment. Alors qu'il s'est échappé? Parce qu'il l'a mis en HP, il l'a pas push. Frérot, il a plus de plaque. Tu vois que ça se chie dessus. Il a plus de plaque. Frérot, il a plus de plaque, il a plus rien. Allez, joue ta vie pour mes 15 secondes. Allez Spartan. Spartan il est bien. Spartan regarde, il a fait ce que je t'ai dit, il s'est éloigné de la zone pour que son colis tombe. Il est pas malin, bien sûr qu'il est malin, c'est bien. Il nous écoute je pense, il nous écoute. J'espère. Il est où le colis? Encore un kill de Sky apparemment. Oh là là. Sky il prend un deuxième kill gros. Deuxième kill de Sky. Confirmé. Sky c'est le Snoop Piercer en fait. Regarde, il est en train de jouer au shield lui. Mec, y'a Bobby! Bobby là en train de jouer au shield! Oh! Noobs qui vient de tomber face à Tip! T'es où? Ah, t'es regarde. Oui, okay, regarde. C'est fini pour lui! Hop! Ok, on a Tipeee qui attaque une rota, il back finalement. Pose au goulag, les gars! Oh là là! Il est contre qui? Je connais pas le mec en face. Philly Punks? Il est para, Prose. Oh non, pas les para. Et il meurt. Proz, non, il est mort. Ouais, exactement comme j'ai perdu. Non, c'est fini pour Proz. Du coup, putain, ouais, allez, je vais moins laguer. Je peux fermer un stream. Belle perf quand même de Proz. Ah bah mec, il a réussi à faire une win en duo world. Il peut être extrêmement fier de lui. Hein. Extrêmement fier. J'avoue. Ok. Wow. C'est quoi cette stratégie de Spartan? C'est quoi cette strat qui fait peur? C'est quoi cette strat qui fait peur, frérot? Il s'allonge dans les buissons. Ah oui, bah. Au bout, à peu près la même strat aussi. Hein. Mais il a quoi comme arme? Il a pris fantôme? Oh là 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 là, il va la jouer au son. Il en profite pour manger. Sac à merde. Aidan. J'entends tirer. Ouais, c'est Aidan. Qui a réussi à avoir son loadout, qui a 4000 balles. Qui est un peu sous pression. Oh, Aidan qui fait tomber près à l'instant. Aidan qui fait tomber près à la seconde. Casper qui est super bien dans la zone. Hein, On a CJ qui est toujours là. Oh, mec, qui est au bout, il est en train de jouer au bouclier aussi. Eh oui, je t'ai dit. Mon frère, putain. Ah, il est dans mon cœur du coup au bout. Ah, mec, du coup, t'as mis au bout toi, Norby? Ah mec, moi j'ai mis Spartan, mais au bout là ça me fait trop plaisir qu'il joue au bouclier. Honnêtement, Blink ça me fait peur. Ah, il a fait un kill là, je crois. Ah non, c'est le goulag. Bisphel il a pas compris. Skyros il fait un duel. Skyros ouais, il a crack shield le gars, il a neutral véhicule et il essaie de cut la rota, mais il est mal placé selon moi. Il est bien placé. Il y a rien dans son back, il a une cover head glitch, il a une voiture devant, il est bien placé. Dans son bac, quand il va devoir faire la rota, il y a un mec qui vient d'appeler un colis. Non. Si. Non, arrête. À sa droite, là, il y a un mec. Non, de l'autre côté, vers là où il y a le colis. Là où il va devoir passer, en fait. Ok. Après, est-ce qu'il le sait? Je sais pas.
Enfin, est-ce que l'autre le sait que Sky est là? Il y a un duel de bouclier encore. Mec, un rational qui est au bouclier aussi. C'est un duel de bouclier shotgun. Mec, c'est deux boucliers shotgun. Deux boucliers shotgun. Oh, il l'a pareil, il l'a. Deux boucliers shotgun, frère. Oh, c'est Vitex. Ah, c'est Vitex qui gagne le duel de shotgun. Mec, ils sont tous en shotgun. Ils ont exactement les mêmes. Ils sont tous en shotgun, frérot. Frère, j'ai influencé le monde. Il est pas si mal. Il est pas si mal. Ça peut le faire. Allez, avant, il était tout blanc. Maintenant, il a pris un peu de couleur là. Le petit VSK là. Attends, là, il y a Sky. Mec, il est au contact. Il est au contact. Il est pas mal. Il sait où, il a l'information exacte d'où il y a un mec, Skyrose. Il part peut-être pour son troisième kill. Ça va se jouer peut-être. Je sais pas si ça va se jouer. Ouais. Il est en train de le contourner en silence de mort, je pense. Oh là là, Sky. Oh, non, Sky qui tombe. Sky qui a le goulag. Tu m'as spoilé. Non, sérieux? Ah, c'est contre Scump, putain. Non, Sky Scump. Alors là, au goulag, c'est qui du coup? Non, Sky contre Angel Walk. Mec, c'est qui Angel Walk? C'est bon, Skyrose, allez. C'est Scump qui avait flanqué en silence de mort du coup, ok. Allez. Non. Il se passe quoi? Attends, mais pourquoi ça host map? Son stream a crash, gros. Parce que il a fait avec le délai, il a. Ah. Non, il a perdu le goulag, il s'est barré en fait. On a vu la dernière action, la dernière seconde. Ah mec. Il a pris la nade. Waouh. Wow. Rien de mal avec un de map. Ah, il s'est barré direct, hein. À dégoûter quoi, il s'est barré. Oh, par contre, la technique de Spartan, elle marche nickel, hein. Il a usé aucune munition, il est bien. Putain non, Sky. Oh non, attends, Bling va se fight. Pas tirer. N'empêche, c'est drôle parce que là, sur les 4 dernières POV françaises qu'on a. Non, mec, c'est un truc de malade. Casper en bush, Partan en bush, Obo en bush. Un V1 bouclier, attends. Sur la principale. Je crois que c'est Mutex encore en face. Comment ça, un V1 bouclier, mec? Sur la principale, je suis avec. Je suis à un duel non, avec. Il enfin, y a un bouclier en face, mais lui il a le M2. Oh, yeah. Ah ouais, c'est Mutex. C'est Mutex. Mec, ça joue bouclier! C'est pas si facile que ça. Mais non, parce qu'il a pris le shotgun en fait. Il est. Ouais. Mec, c'est pour ça. Après, honnêtement, rien qu'avec le shotgun, il peut juste changer d'arme et le push. Oh là là là. Mais on peut pas passer par là. Non, arrête! Non, je rigole. Oh putain, t'es un fils de pute! Casper, Spartan et Obo, ils sont les trois dans un bus. Et pas de livraison express, c'est la pire des erreurs pour Mutex. Hein. C'est vraiment l'erreur du noob pour le joueur bouclier. On a Blink J, il est pas bien sur sa rotation. On a Obo et Spartan, ils sont masterclass. Et on a Casper qui est masterclass aussi. C'est. Ah, il tombe. Ouais, c'est pas mérité en vrai. C'est pas mérité parce qu'il a hit et ensuite il a remis un chargeur dedans. Ouais. Je sais pas. Oh, putain, mec, Rastaman, il avait si bien joué, c'est trop dommage pour lui. Ah, il a 5 kills aussi, le mec. Je sais pas c'est qui user, mais. Iron, il est très très bien placé dans sa maison. Insane. Il reste beaucoup de français, hein. Mais le reste 4, hein, c'est quand même pas dégueu, hein, mine de rien. Allez, les gars. Il a pris un bouclier aussi. J'ai influencé le monde, S. Ok, ça dit quoi du côté Casper? Casper, il est en train de tenter le. Putain, mec, ils sont tous allongés dans des buissons, c'est un truc de malade. Pas dégueu, Casper, en vrai, son positionnement. Hein. Ah, il se replace. Spartan, il se replace. Très risqué sa rotation à Spartan. Ouais. Oh, j'en ai vu des rotations risquées, hein, mais celle-ci elle est vraiment risquée. Celle de Bling. CJ, gros, c'est bon, mal peint. Oh là là, celle de CJ. Ah mec, autant déconnecter maintenant, frérot. L'enfer. Ça va être impossible. Là. Obo, pas dégueu aussi. Obo et Casper, pour moi, c'est ceux Obo, qui sont. Obo, je pense que c'est peut-être le mieux là. Hein. Pour moi, mec, il y a encore PinID. Pas s'est replacé au final. Ouais, elle est super bien placée, mec. Je suis en train de switch toutes les secondes.
Ouais, pareil. Moi aussi. J'essaie de laisser un grand écran pour les gens quand même un peu sur la principale. Rara, toutes les rotations de véhicules, elle a 4 véhicules à côté, mec. Oh, attends, non, il est mort. Il est mort contre Idan. Bing. Rip, dommage. Bon, mais ceux qui avaient parié sur lui, rip. Aïe. On a Scump au goulag, les gars. Contre Magnificent. Et c'est Scump qui gagne. C'est un challenge Scump, ça doit pas être marrant. Au taquet, gros. Surtout et là, maintenant, t'es Scump, tu fais quoi? Bah, simple, tu as, frérot, trop simple. Tu restes en l'air et tu piques sur le colis quand il tombe. T'as risqué ça aussi, mais je mais frérot, pense que tu piques sur le colis et tu prends le bouclier. Parce que t'as obligatoirement prévu une classe bouclier. Tu te fous dans un coin et t'attends. Mais frérot, quelle fanzone horrible, quelle fanzone de pute. Il faut dire le mot. Il y a des fougères partout dans... Mec, dans chaque bush, il peut y avoir quelqu'un, mais c'est horrible. C'est horrible, frère. On est où? Les gars, tu vas fight en bouclier. Les gars, Casper qui est au goulag. Le nombre de menaces que tu peux avoir, là. Tu sors à gauche, devant. Oh là, putain, j'avoue, Casper, là, qui est... Ah ouais. Mais frère, Bobby, il est en train de jouer Livraison Express avec des C4. Il tire une gueule dans les buissons. Il est pas bien, Pichoun. On dirait moi, frérot. Regarde Eden. Duel de bouclier, je sais pas contre qui c'est. Il est en plein centre zone. Oh putain, c'est tendu. Ils osent pas se jouer. Ils ont jeté toutes leurs parades, ils ont back. Ouais, c'est comme ça, frérot. Hein. Sache que. Ils doivent avoir tellement peur de se faire rouler dessus. Regarde la peur. Regardez les gars, les sensations que tu as lors de ce tournoi. C'est une peur à 100 000. Hein. Non, mais frérot, je suis sur la vue de Bobby Poff, frérot. Il a les yeux, ils vont sortir, frérot. Les yeux en orbite, frère. Au moins, il y a un mec devant lui. Et il joue trop bien. Spartan, il joue trop bien. Casper, il est contre Akurasi au goulag. Il a para. Et Casper qui perd. Alors qu'il avait paralysé. Spartan, il joue trop bien. Oh merde, Casper, c'est fini, t'as raison. Obo et Spartan, regardez, ils sont trop bien. Ils sont juste à côté. Ouais. J'avoue. Oh ouais, putain. Ils sont côte-côte. Mais frérot. Il reste combien de mecs? Mais frérot, ils sont à combien de mètres l'un de l'autre? Il y a 30 mecs là-dedans. Mais frérot, ils sont à combien de mètres l'un de l'autre? Regardez la minimap. Ils sont à 20 mètres, je t'ai dit. C'est trop. Regarde tous les camions qui restent, frérot. C'est épique. C'est épique, frérot. Il y a deux camions. Il y a quand même que deux véhicules. Je pensais qu'il y en aurait plus, tu vois. Et Dan encore en fight? Mutex dans un véhicule d'ailleurs. Oh là 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 là, les gars, c'est exceptionnel ce qu'on regarde, c'est exceptionnel putain. Des rotations véhicules, des gens planqués dans les buissons. C'est ça les Battle Royale, c'est ça. Husker encore là. Husker encore là, frérot. Oh, il a réussi le 2-2. Et top 29, 0 kill, frérot. Juste il joue le placement. À la H1, frérot. À la H1, à l'ancienne. Il a zéro kill, frérot. Il a zéro kill. Il a exactement compris le concept. C'est ça. Obligé d'en faire. Non, frérot. Zéro kill. Solo, c'est tellement. Il a un trophy ou pas? Non, pas de trophy, frérot. Il s'en bat les couilles. Et. Il croise Bobby. Ah non, Bobby le C4, comment on l'appelle. Putain, Bobby. Ah oui, il a tué Bobby. Non. Spartan qui. Et qui en tue un autre qui a... Ah non, il a deux kills, pardon, excuse-moi, je me suis en... Spart, il a tué un gars et il a changé de bush aussi au passage. 4 véhicules maintenant, dans la zone actuellement. 4 véhicules, c'est très dangereux. C'est très très dangereux ce qu'on regarde. Mais par contre, ça c'est un... Attends. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que moi si je serais un véhicule, je roulerais dans les bush en fait. Au bout qui se prend un cluster strike, il doit se déplacer. Ils se déplacent vraiment pas loin de Spartan. Allez, pas la frappe. Ils sont dans les 20 derniers, mon dieu. Oh putain de merde. Allez les gars. Il y a Broken qui vient de tomber sur le principal. Putain. Broken qui tombe, qui est confirmé. Spartan qui est toujours en vie dans les 19 derniers. Avec Zombu. Incroyable.
Top 19, les deux. Ils sont encore en vie. Les cracks. Les 19 allez, meilleurs d'un continent. Sous vos yeux. Il y a deux termites au beau. Spartan, il joue avec quoi? C4 aussi. Spartan, il y a des C4. Husker qui est là, en plein centre zone, qui contrôle la hauteur, qui est très très bien placé, très très fort. Husker toujours en véhicule. Il circule, il temporise. Et il est placé dans la dernière zone. Il a quasiment la hauteur de la dernière zone. Spartan n'est pas dedans, Nobu n'est pas dedans. C'est à ce moment-là qu'ils vont peut-être se croiser les deux. Est-ce que les deux Français vont s'éliminer alors qu'il en reste si peu? Il reste que 12 personnes. C'est maintenant, Spartan! Spartan qui tombe! Non. Spartan qui tombe! Face à Skump! Il y a Skump encore! Face à Skump! Il tombe! Obo qui est le dernier! Obo, le dernier en vie, le dernier français, le dernier espoir! Qui allume! Mais le bouclier qui tombe tout! Le bouclier est juste insane! Il lui colle, c'est fini pour Mutex. Allez, ça dégage. C'est bien joué, ça dégage Mutex. On n'en veut pas, on s'en fout, on chie dessus. Allez, donne tout. Allez, Obo. Obo qui tombe face à un mec dans un bush. C'était le dernier français, il reste plus que Skump. Aiden 9 kills. Oh. Aiden. Aiden 9 kills. Skump qui a 8 kills. On est dans les 5 derniers. Skump, Aiden, Husker. Aiden gagne le seul. Husker, que des monstres. C'est que des monstres. Il y a vraiment que des monstres. Il y a vraiment que des monstres qui restent. Il n'y a pas de hasard. C'est les meilleurs joueurs. Le turn de Skump. Incroyable. Oh, il est en HP, je ne sais pas qui c'est. Il est para. Skump. C'est 4. Skump qui a 1 HP. Skump qui a 1 HP. Qui vient de s'en sortir grâce au masque en or. Oh non, c'est trop vrai. Oh, il va... La première zone mouvante. Attends, mais il va vraiment survivre. Il va intercepter le bouclier. C'est tellement le bordel. C'est fini. Il a un HP, il est en train de se faire chase. Il est en zone. C'est fini pour le bouclier. C'est fini pour le bouclier, frérot. 1v1. Non mais attends, ce que je viens de voir de Aiden. 1v1, frérot. 1v1. Il est pas rare. Non. Attends. Non. Oh, Skump! Mec, c'est terrible! What? Oh my gosh! Oh, il a mis à 1 HV. What? Oh. Mec, oh la réaction de Skump! Oh. What? Il a combien de kills, Skump? 12, je crois. Regarde comment il est heureux, frérot! Regarde comment il est heureux! Regarde-le, c'est pas le plus heureux. Alors, je pense qu'il a fait une dinguerie, Skump, mais il faut savoir que Aiden, son play à la fin, c'est n'importe quoi aussi. Hein. Il a tempo dans la zone un temps fou, Skump. Hein. Et il s'est fight dans la zone en étant paralysé contre un bouclier, genre. Regarde l'état de Skump, gros. Mec, j'ai fini dans le même état, j'étais à genoux aussi, gros. Regarde son cœur et tout, regarde comment il en peut plus, frère. Et pourtant, ce mec, il a fait je sais pas combien de tournois. Regarde sa réaction, gros. C'est incroyable. Un palmarès énorme. Et pourtant, il réagit toujours comme un homme, en fait, comme un humain. Genre là, c'est une game qui change une vie, gros. C'est incroyable. Il est avec son amoureuse, gros câlin. Ben ouais, carrément. 11 kills, Skump. 11 kills. Honnêtement, le duel de fin, je pense qu'il pouvait pas rêver. Mais... Non, mais mec, c'est légendaire. Là, il a mis un turn en étant hors map. Et ça a pas de sens. Et Skump, il a gagné avec 11 kills. C'est genre abusé. En vrai, c'était beau là. Dommage. Beau là, j'y croyais. Incroyable. Mec, même Spartan, j'y ai cru. Hein. Mais quand la zone elle a arching vers le nord et que tous les joueurs d'exception ils étaient au nord, ça a été très compliqué. C'est intense, hein, la solo. Oh là 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 là.
C'est un délire à quel point c'est passionnant. Hein. Ah, mec, t'as vu comment c'est prenant, c'est génial, ça te prend aux tripes. En plus, t'as des joueurs que tu suis et tout. Mec, j'en veux plus des compétitions comme ça, mec. Qu'on les casse, qu'on les regarde ensemble, tout, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est surtout que quand tu prêtes attention aux détails, genre c'est là que tu te rends compte qu'en fait c'est pas des choix qui sont faits au hasard, c'est pas des joueurs qui ont un niveau commun, c'est des joueurs qui ont un niveau hors du commun. Non, c'est de l'exception que tu regardes. Tout est calculé, gros, et chaque choix, chaque erreur, ça a un impact sur la game. Mais frère, ça c'est notre match de l'UEFA à nous, frérot. Regarde les plays. Ouais, mais mec, tu auras le temps de réaction, tu auras de l'aiming et tout, c'est insane. Incroyable, gros, ça. Oh, j'ai juste pas les mots. Non. Oh putain, ça se joue à si peu. Non, mais ça se joue à si peu, frérot. Ah, c'est une... Frère, mais surtout, t'as vu qu'on. Et surtout que Scump, quoi. C'est un monstre, frérot. C'est un fond. En fait, il perd pas ses 1v1. Ce mec, c'est le meilleur en 1v1. Il les a tous brisés, frérot. Il les a tous brisés en 1v1. C'est un truc de malade. Et c'est là où tu vois. On a beau dire que c'est random et tous les BR, mais les réactions comme ça à la fin, t'en as pas sur beaucoup de jeux. Hein. Ouais, 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 non, mais c'est beau. Hein. Ah, mais c'est beau. Mec, sa réaction, elle est trop belle aussi. C'est incroyable. C'est pour ça que le random, en fait, c'est valable à un niveau non compétitif. Quand tu rentres dans le compétitif, genre la chance, elle est toujours un peu là, mais en vrai, ce qui prime, c'est les décisions, les déplacements, le shoot et tout. Tu vois, c'est un autre jeu, en fait. Ah, mais tout à fait, Norby. T'as raison. Il y a toujours du hasard, sauf que le hasard, il diminue, en fait, puisque, en fait, les gens qui sont dans la compétition font tout pour diminuer le hasard, justement. Ouais. De par leur spawn, de par leur timing, de par leur rotation. De par les stratégies, etc. Le seul truc qui fait qu'ils s'affrontent, c'est le rétrécissement de la zone, le Battle Royale en lui-même, qui provoque les duels. Et c'est ça qui est magnifique, qui est trop beau, gros. Et par exemple, juste pour comparer deux Battle Royale qui sont Fortnite et Warzone, par exemple, Warzone, tu connais déjà le cercle dans l'avion. Dans Fortnite, tu connais pas. Du coup, c'est-à-dire que tu spawns, mais. Quand le cercle apparaît, tu peux être à l'opposé, tu vois. Là, ça augmente encore plus le facteur de chance. C'est nice. Du coup, t'as le random de la zone. Alors que Warzone, tu sais où est-ce que va être la zone. Et même chose avec Call, hein, ça va être une zone dans le nord, tu vois. À partir du moment où t'as l'info, c'est à toi de Même si tu te places directement trop bien, tu vas te faire focus par les autres qui sont placés un peu mieux de beaucoup plus loin. Du coup, c'est pas forcément. Du coup, tu connais la bonne zone, mais il y a un timing parfait dans lequel y aller. Il y a toute une. Il y a des règles, tu vois, par rapport au timing, à quand avancer, etc., selon les zones, selon là où t'es placé. Et si tu respectes tout à la perfection, tu réduis ce fameux hasard qu'est. Que les gens disent que le Battle Royale ne peut pas être trop e-sport, tu vois. Et en fait, plus tu réduis ça, plus tu le réduis à zéro, plus tu peux dire, ouais, c'est e-sport, tu vois, le Battle Royale. Totalement d'accord. Bon, les gars, mon cher Norby, mon cher ESK, c'était un bonheur de caster ça avec vous. Et j'espère que les gens sur les différents chats, ben, ont pensé pareil, ou enfin, ont kiffé. N'hésitez pas à laisser un petit message sur ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, moi, c'était génial, les gars. J'ai adoré. Franchement, méga cool et trop bonne initiative d'avoir fait ça, les gars. Et au plaisir de refaire ça. Franchement, méga bien. Très de ouf. De ouf. Chaud de ouf. Ouais. Et du coup, c'est 15 subs, Norby, c'est ça? Ah, j'ai pas relancé, mais c'est moi qui ai raison. Donc, techniquement. Je vais chanter à 50, Norby. Je te les filerai demain. Okay.